Ok les amis, aujourd'hui on se retrouve clairement pour une toute nouvelle vidéo prank. Et je vous assure qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêts parce que je vous ai prévu un prank de qualité comme d'habitude. Parce que Nobo le Bobolet, c'est toujours de la qualité, c'est toujours quelque chose d'incroyable qui l'envoie. Aujourd'hui on va remplir la voiture de ma copine de caca de chien. Donc je vais mettre du caca de chien partout sur sa voiture, que ce soit au-dessus, en dessous, etc. Donc sa voiture est juste là. Et après je vais aller prendre ma petite pelle et la remplir de caca. Et franchement, vous êtes pas prêts? Personnellement, moi tu me fais ça, moi tu remplis ma voiture de caca, je pète un plomb parce que déjà il y a l'odeur, puis il y a toutes les traces que ça va faire. Et franchement, ça va être horrible pour elle. En plus je viens de me réveiller, je suis vraiment désolé pour la tête que j'ai. Je viens de me réveiller, comme vous pouvez le voir, il fait encore tout brouillardeux. Je viens de me réveiller, je suis encore la tête dans le pet. Mais je dois attendre enfin je dois aller au plus vite avant qu'elle se réveille pour remplir sa voiture de caca, bien entendu. Donc comment je vais procéder? Donc comme vous le savez, mon chien fait caca ici dans le jardin. Et étant donné que je n'ai pas encore ramassé ces caca parce que je suis un gros flemmard, ça veut dire qu'il y en a énormément qui sont là, tout simplement. Et on va prendre notre petite pelletée parce que j'ai une petite pelle à caca. Et du coup, une fois que ça se sera fait, eh bien, on va être tout dans un seau. Et après, j'irai les parsemer un petit peu sur le capot, un petit peu sur la vitre, un petit peu au-dessus, etc. J'en mets un petit peu partout, tu vois. C'est un peu comme des petites pépites de chocolat, tu vois. Comme si tu mangeais une glace stracciatella et que tu mettais des petites pépites de chocolat par-dessus. Mais c'est à peu près le même. Sauf que cette fois-ci, je suis pas certain que ça va être bon à manger. Hein, à part si on a d'entre vous qui mangent du caca. D'ailleurs, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous bouffez du caca. Je pense que c'est pas le cas pour beaucoup de monde. Bon, maintenant, trêve de plaisanterie et trêve de bavardage, comme on a l'habitude de dire. Il faut que je me mette à l'attaque, il faut que j'aille chercher ma pelletée et ramasser mon caca. Et après, on enduit la voiture et on ira la réveiller avec un des plus beaux réveils de toute sa vie. Une voiture en semis de caca. Quel monde est le mieux? Bon, allez les gars, c'est parti, go chercher la pelle. Donc c'est parti les amis, on va chercher notre petit seau à caca et on va enduire cette belle voiture de caca Toes. Donc allez, suivez-moi, c'est parti. Oh là là, tous les caca qui est au sol. Oh là là là. Oh non. Regardez. Oh, j'ai envie de vomir. Oh, je veux... Ah. Ok. Mais donc, c'est que ça se fait. J'ai mon petit seau à caca, j'ai ma pelle. Ça me dégoûte. En plus, les gars, je vous jure, il a plu et il y a eu de la buée et tout. Donc, ben, ça veut dire que le caca, mais il est encore en. Il est encore. C'est horrible, c'est horrible. Bon, allez, c'est parti. Allez, je sais pas si je le jette en mode décomposition comme ça dessus ou si je le pose juste. Soit tu es gentil, soit tu es méchant. Je sais pas. Attends, je vais jamais. Ah, je vais vomir, je vais vomir. Je vous jure, je vais vomir. Attendez. Ok. Aïe. Oh. Ah, ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Il y a une merde sur sa voiture. Il y a une merde sur sa voiture. Attendez. J'ai jamais. Attendez. Ok. On va prendre le caca ici. Et on va le déposer sur l'avant. Ouais. C'est parti, ma fifi. Qu'est-ce qu'on fait avec ton caca? Allez, hop. Allez, ouais. Ça, c'est parfait. Ça, c'est nickel. On va encore aller en prendre ici. Oh, ici, lui il est beau. Lui ça va beau. Voilà. Allez. Bon, les gars. Je vous jure que les odeurs, elles sont horribles. Je vous jure que tout vient de sortir. Les odeurs et tout, elles sont en train d'exploser ici autour. Quand je vous dis que c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Là, je vais aller réveiller Tara. Et je vais aller lui dire qu'on a un cadeau pour elle. Mon petit cœur. Mon petit bébé. Mon petit bébé. Mon petit cœur de beurre. Mon petit bébé d'amour de toute ma vie. Tu fais dodo? Quoi? Mais il faut se réveiller, mon petit bébé. Tu viens? Ça pue la merde. Comment ça, ça pue la merde? Oh, ça pue la merde, va te laver les dents. Comment ça, ça pue la merde? Oh, ça schlingue. Comment ça, ça schlingue? Oh, mais ça pue le caca. Comment ça, ça pue le caca? Ça pue le caca de bête. Mais ça pue pas le caca de bête, t'es bête ou quoi? Mais si, ça pue le caca. Tu veux embrasser? Non, non, non. Comment ça, tu veux pas embrasser? Tu peux plus autant de la gueule? Mais je pue pas de la gueule. Si, ça sent la merde de chien. Mais je peux t'assurer que je viens de vomir, je te dirai pas pourquoi.
Je reconnais la merde de chien entre 8000. Mais ça sent pas la merde de chien, t'es malade ou quoi? Comment tu fais pour sentir la merde de chien d'ici? Elle est dehors, elle est dans le jardin. Non, ça sent la merde de chien. Ça sent la merde? Bah super quoi, moi je t'ai fait une surprise et tu me dis que ça sent la merde de chien. Ça sent vraiment mauvais. Ouais, ça sent vraiment mauvais la vie. Genre, j'ai une surprise pour toi. Quoi encore? Mais les toches. Allez, viens, j'ai une surprise. Oui, t'es comment? T'es habillé comment là en dessous? Faut que je m'habille un truc. Ok, bon, il faut habille-toi et après on se retrouve dehors, ça va? Passe mon training. Ouais, attends, je te passe ton training. Hop, tiens, c'est parti. Et du coup, c'est parti, à tout de suite. Hein. On t'attend dehors. Dehors? Ouais, dehors, la surprise elle est dehors. Mais il fait froid! Allez, viens dehors, je t'ai fait une surprise! Ok, est-ce que t'es prête à voir ta nouvelle surprise? Mais je sais pas c'est quoi, et là il est tôt, je sais pas. Tu sais pas c'est quoi la surprise? Oula! Tu tiens même pas sur tes pattes. Et je te jure, la surprise elle est incroyable. Tu penses que c'est quoi? J'en sais rien moi, je m'attends au pire. Tu t'attends au pire? Moi je peux t'assurer que c'est un truc trop bien. Ouais. Je peux t'assurer que c'est un truc trop bien. Vas-y, viens. Ok, viens. On sort dehors, par contre il fait un peu frisquet, donc fais attention. Vas-y, tu regarde ta surprise. Quoi? Quoi? Le hamac, bah, je l'avais déjà. Non, c'est pas le hamac. C'est là la surprise. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens vraiment de mettre des merdes sur ma bagnole. Genre, t'es sérieux en fait? Je viens de mettre des merdes de chien sur ta voiture. Regarde, celle au-dessus. On dirait une purée. Une purée de caca. Oh. Quoi? Qu'est-ce qui... Non, vomis pas, hein. On a coincé en dessous de mes essuie-glaces. Ah ouais, comment il a fait pour passer là? Comment il a fait pour passer là? Oh, menteur. Oh putain, t'es sérieux? Celle-là, elle est toute fraîche. Regarde, en plus, je l'ai jeté. Je l'ai jeté violemment. Putain. T'es en train de me casser les couilles, t'es sérieux? C'est quoi ce bail? Pourquoi t'as eu ça comme idée? Allez, mais je voulais mettre t'es scato toi maintenant! Mais je voulais mettre du caca sur ta voiture! Mais pourquoi faire? Mais pour me faire plaisir! Mais plaisir de quoi? Ça pue, c'est la merde! Mais pour te faire plaisir! Mais à quoi faire plaisir là maintenant? Mais ça c'est pue. Pour te faire plaisir! Mais c'est pour mettre du caca sur ta voiture et qu'elle soit belle! Je te jure, gosse, tu ramasses pas ça! Plus toutes les merdes qu'il y a ici à terre, je te promets que tu dégages de la maison! Mais oui, je vais ramasser! Mais c'était pour te faire plaisir! En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas votre like, votre commentaire! Et bien sûr, me suivre sur les réseaux sociaux! Personnellement, je vous kiffe, je vous love! Et je vous fais plein de bisous! On se voit la prochaine! Ciao, ciao!